En 1906, Bill Miner a dévalisé le chemin de fer du Canadien Pacifique. En 1961, George Lemay a braqué la Banque de la Nouvelle-Écosse. En 1984, Mingo le Cerveau s'est emparé de 68 millions en titres et en obligations. En 2012, un groupe d'hommes a volé des milliers de barils de sirop d'érable. Nous allons rencontrer ensemble ces criminels canadiens et beaucoup d'autres dans la série originale Audible pour les mains. Passer à côté de ces histoires serait un crime sur Audible.